Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Mais nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Bon, si nous prenons de manière spécifique CPA même, lui-même, et ou gagne d'abord. Yo c'est conseiller électoraux. Pendant yo c'est conseiller électoraux, yo appelé pour yo venir gagner un autre statut juge parce que yo pas gagner yo c'est des juges électoraux lesquels y a gagner pour yo réunir ensemble capable les contentieux électoral lorsque gagne problème dans élection yo et puis parti yo candidat yo monde qui intéressé ou bien citoyen yo qui gagne pour y aller dans le contentieux électoral là, les ça c'est des juges électoraux, puisque c'est des juges électoraux, on connaît le principe général là, c'est que la justice est rendue au nom de la République. Donc, il demande tout le monde qui gagne, qui peut siéger comme étant des juges, en statut des juges dans un tribunal quelconque, c'est que nous gagnons, c'est-à-dire le tribunal électoral, ça a faut prêter serment. Moi, je dis, investiture pas, il n'y a pas gagné en définition législative, il n'y a pas gagné en définition constitutionnelle qui exigeait que moi-même, moi, je dis, selon telle loi, telle référence juridique, mes définitions pour lui, donc il n'y a pas prescrit par aucune loi, et bien, je dis, moi-même, je dis, un acte informatif qui permet qu'on mette les gens au courant de fonction que un citoyen pourra remplir. Puisque pas gagné en loi qui prévoit, pas gagné en quelle disposition constitutionnelle qui dit faut qu'on recevra investiture, eh bien, il n'y a pas qu'à préjuger ou il n'y a pas qu'à poser aucun problème par rapport à la prestation de serment. Ça qui est essentiel, c'est que faut membre conseil électoral, il a prêté serment parce qu'il a gagné pour siéger comme juge électoral. Dans le but d'éviter toute dérive dans la conduite de la politique haïtienne, tant du côté du pouvoir que celui de l'opposition, cette structure mise en place se veut un pont d'équilibre au fin de protéger les institutions démocratiques et aider du même coup le pays à sortir des turbulences politiques qui menace non seulement l'avenir de la nation, mais aussi notre existence de peuple au niveau du concert des nations. À l'heure actuelle, Haïti représente le seul pays moins avancé du continent américain. Trop longtemps, nous sommes restés dans les idées du passé qui nous attachent à des velléités incertaines qui ne font plus honneur à notre passé historique et glorieux. La philosophie de coupe-tête Boulekaï n'est plus de mise à l'aube du 21e siècle. Nous pensons qu'il faut changer de paradigme. Le moment est venu pour nous, dignes fils et filles de cette terre sacrée, de nous montrer à la hauteur de notre tâche, afin de tourner définitivement la page de la déstabilisation politique du pays et entrer de manière irréversible dans l'ère du développement durable et contribuer à un avenir prometteur pour les générations futures. En conséquence, le groupe des anciens parlementaires pour l'équilibre politique et la stabilité du pays, GAPESP, demande aux instances du pouvoir, celles de l'opposition et de la société civile, de se mettre ensemble en vue de trouver un dialogue constructif, une issue heureuse à la crise qui sévit dans le pays depuis plusieurs décennies. Nous ne pouvons pas avec la bourgeoisie. Nous ne pouvons pas attaquer nous. Nous ne pouvons pas attaquer eux. Mais il faut que vous ayez la raison. C'est eux qui gagnent les banques. C'est eux qui gagnent les banques. C'est eux qui gagnent les banques de l'Union haïtienne. C'est eux qui gagnent le capital banque. Et ils contrôlent les banques d'État et tout. Ils contrôlent non seulement BNC, Banque Populaire haïtienne. C'est eux qui importent du riz. On ne va pas parler avec des temps, non. On ne va pas parler avec des gens qui non. Mais on va parler avec des gens qui sont banquiers. C'est eux-mêmes encore qui importent des choses dans le pays. Faut, si l'on a baissé, il faut qu'on vote au monde. Qu'on y a, qui c'est la bourgeoisie fait nous? La bourgeoisie mettait plus en goutte.
et puis prier à Piwa. Parce que l'autre a perdu dans l'Amérique, quand tu ne vas pas comprendre. Après ça, maintenant, c'est la matière. Les Haïtiens, nous pouvons le voir, mon petit Dessaligno. La caille, c'est quoi mon capable de faire du dans le pays? Et bien la caille privée ou non? Dans l'entreprise, dans le business. Nous pouvons le voir, mon petit corps, pour aller prendre qui oui? Chaque gros monde a vendu du rien. Nous allons faire mon petit de Saligno, possibilité, mais nous allons faire comme ça, non? Nous allons faire un badge pour vagabond pour faire des ordres dans nos noms. Puis aller prendre qui oui? Gros monde qui a fait porter lettre, gros monde qui a fait porter spaghetti, qui peut vendre, je dis, pendant dollars 60 gouttes ou 60 gouttes, et qui peut vendre l'aide de 125 gouttes pour nous faire la différence là. Nous avons un cigarette, 114 directeurs qui vont sortir. Bande de pays étrangers, papa ici, tout ça qui va passer dans le pays à demain, c'est une limite qui est sous sa vie. Si il y a des gens qui mourent, si il y a des gens qui blessent, si il y a des gens qui brûlent, c'est une limite qui est sous ça. C'est une société qui est sous ça. C'est le ministère financier qui a sous ça. C'est le banque centrale qui a sous ça. Nous étions à 70 gourdes. Nous étions aux environs de 300 gourdes par jour, qui représente 4,28 $. Aujourd'hui, nous sommes à 500 gourdes et nous sommes à un petit peu moins que 70 gourdes aujourd'hui. Je crois qu'on est à 68, 69. Et si on va sur certains marchés, on va trouver moins que 69, qui nous met près de 7,50 $ par jour. Donc, quand ils font le commentaire, ils ne prennent pas tous les éléments qui font partie des coûts, parce que notre compétitivité n'est pas par rapport à celui qui est de l'autre côté, qui est au Cap ou bien qui est au Sud. Notre compétitivité, c'est par rapport aux autres pays. Et quand cette compétitivité est comparée, elle est comparée aux autres pays en monnaie commune, qui est le dollar dans ce cas-là. Donc, quand on est en train de comparer avec la République dominicaine et le Nicaragua, on est aujourd'hui plus haut que le Nicaragua, que la République dominicaine. Donc, l'acheteur qui va dire « Pourquoi je devrais venir en Haïti ?» Là où, chaque deux mois, chaque trois mois, il y a un pays lock, ma production ne peut pas sortir, et m'bral dit ça pour tout le monde comprendre ça. Qui moun qui pral vini investi en Haïti, si c'est pas un avantage qui particulier? Je dis en Haïti, chaque deux mois, il y a un pays lock, chaque deux mois, il y a un problème, et avantage que c'est qui ça Haïti pral bail, c'est parti de coût produit. Et le bral Saint-Domingue, et puis bral regarde, le bral dit, c'est nos mêmes sont pays qui plus développés que Haïti et yo gade dans l'autre pays qui plus développé yo dit plutôt y aller là si yo pral payer plus cher. Donc c'est sous base ça. Donc là yo dit pour qui ça usine yo a fermé à 70 gouttes, faut nous prendre prix de revient en dollars là et puis nous comparer là l'autre pays ça et faut nous regarder de image Haïti parce que si nous pral laisser même niveau avec yo pral dit pour même niveau pour même niveau. Dans un pays côté moi moins mal tête là. On pense que jodi demain là c'est faut nous chita, faut nous joindre juste milieu là qui pral permettre on balance entre pour la vie en haïtien hein, avec création d'emploi. Parce que m'bradio c'est pas seulement secteur textile là qui a souffert de ça. Secteur agricole là, secteur production locale là, tout yo pral souffrir de lui parce que secteur agricole, secteur production locale, yo fait ajustement. Au fur et à mesure, il y a pas gain contrainte secteur textile là, mais là il fait ajustement dans secteur paio, kounyen ça crivé. Yo ga dit tout ajustement m'était fait, yo faut reprendre yo, yo pas gain droit faire ça. Donc kounyen yo prend dans trois mois, yo fait augmentation, yo fait changement dans grille de salaire yo parce que yo prend en considération impact inflation et impact dépréciation goudran et puis yo dit bagarre faire à l'envers sur yo. Donc ça qui a passé là, c'est pas secteur textile non seulement qui est impacté. Et me penser que secteur syndical là li représenter ouvrier et c'est normal que yo fait argumentation mais m'encourager yo vin garder chiffre économique yo et nous toujours très transparent sur ça pour yo comprendre que les goûts là apprécier comme ça les prend force comme ça li pas nécessairement yon bagaille qui bon pour pays a li ka bon mais dans des circonstances et je dis Haïti pas dans circonstances ça pour li prendre avantage de li
Et on va prendre comme exemple, la Chine, d'une manière stratégique, évolue avec monnaie sur le temps, côté où tu es utilisé pour gagner avantage par rapport à l'autre pays. Yo. Haïti, malheureusement, nous pas fait stratégiquement, nous fait parce que nous avons des réalités structurelles économiques et des réalités des fois conjoncturelles économiques qui fait que nous perdons sans nous pas contrôler balance entre ça, tout haïtien payé, banane pour patate pour tout bagaille ça yo, et évolution pour gagner moyen pour payer, c'est-à-dire que vous avez emploi pour payer. Et c'est là que malheureusement, c'est là lié. Voilà. Merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.